Les 10 enseignants les plus incroyables au monde. Nos enseignants font partie des personnes les plus importantes de notre monde, car ils s'occupent de nous depuis le plus jeune âge et qu'ils ont une grande influence sur notre avenir. Et parmi tous ces enseignants, il y en a toujours un petit nombre qui sortent du lot et qui dépassent les stéréotypes. Voici les 10 enseignants les plus incroyables au monde. Oksana Neveselaya. En voyant ces photos, on pourrait penser qu'Oksana Neveselaya est top modèle ou une star des réseaux sociaux. Ses comptes de réseaux sociaux sont remplis de photos de l'enseignante, où elle pose comme un vrai mannequin. Tu dois te demander pourquoi elle fait ça. Oksana veut prouver au monde que beauté et intelligence sont compatibles. Malgré le fait qu'elle reçoive beaucoup de critiques, que beaucoup lui disent qu'elle n'est pas un bon exemple pour ses élèves, Oksana ignore tout cela et continue de faire son travail du mieux possible. Andrew Ward. Andrew Ward enseigne l'espagnol au Turner High School, à Kansas City. Il a réussi à avoir un impact très positif sur ses étudiants, avec quelque chose de très simple. Andrew entre dans sa classe tous les jours en disant « Buenos dias ». Mais les Buenos dias d'Andrew sont chaque jour différents. Deux de ses élèves ont filmé chacun de ses moments, ont créé une vidéo et l'ont montré en fin d'année pour montrer quelle impression positive il avait laissée. Patrice Brown. Patrice Brown enseigne à Atlanta, en Géorgie, USA. Elle a des courbes impressionnantes pour une enseignante. Bien qu'elle ait reçu beaucoup de critiques à ce sujet, certaines de ses photos sont devenues virales sur les médias sociaux. Elle a même eu son propre hashtag. Malgré toutes les critiques, Patrice continue de se concentrer sur ses élèves et essaie d'ignorer toute cette agitation. Michael Bonner. Michael Bonner est un enseignant de Caroline du Nord. Il a cherché un moyen de motiver ses élèves à réussir leur test de lecture qui était programmé. Au lieu de promettre aux élèves du temps de récré supplémentaire en cas de succès, il leur a promis d'enregistrer un clip vidéo s'ils réussissaient tous le test. Cela s'est avéré être une excellente motivation. Ils ont tous réussi le test et ensuite ils ont réalisé un super clip de hip-hop. Brandy Young. Brandy Young, une enseignante du Texas, a écrit une lettre à tous ses élèves et à leurs parents au début de l'année scolaire. Cette lettre est devenue virale, car elle avait une signification très particulière. Elle a écrit que ses élèves n'auraient pas de devoirs à faire pendant l'année scolaire. Le seul travail que ses étudiants ont eu à faire à la maison fut de finir les travaux non terminés en classe. Ce n'est pas habituel, car en général les écoles tirent leur bonne réputation de la quantité de devoirs. Et cette lettre était donc une bonne surprise pour les élèves. Au lieu de faire les devoirs, elle a demandé aux parents de passer plus de temps avec leurs enfants et de laisser leurs enfants juste être des enfants. Nicolas Ferroni. Nicolas Ferroni a fait le buzz lorsqu'il a décidé de se battre contre un stéréotype de sa profession de juge. Normalement, 80% des étudiants sont des hommes et 20% des femmes dans ses cours de droit. Il a décidé d'inverser la proportion. Il a composé une classe avec 80% de filles et 20% de garçons. Et il y a autre chose qui le distingue des autres enseignants. C'est qu'il est aussi un mannequin occasionnellement et qu'il a été listé parmi les 25 hommes les plus en forme du monde par le magazine Men's Fitness. Brittany Darras. Brittany Darras est professeure à l'école de Rampart, dans le Colorado. Lorsqu'elle a appris qu'une de ses élèves avait voulu se suicider, cela l'a beaucoup émue. Elle a décidé de lui écrire une lettre à l'hôpital, et quand elle a réalisé l'impact très positif que la lettre avait eu sur elle, elle a décidé d'écrire à chacun de ses élèves une lettre personnelle dans les 2 mois qui ont suivi, où elle leur a dit ce qu'elle trouvait de beau et d'unique dans chacun d'entre eux. Christiane Follet. Christiane est professeure à la Cardinal Paul School, près de Londres. Il a attiré l'attention de ses étudiants d'une manière très spéciale,
à savoir en chantant du rap. Ses élèves ont réalisé un certain nombre de vidéos sur ce sujet, et elles sont également devenues virales. Sonia Romero. Sonia est enseignante au Nouveau-Mexique. Et comme elle enseigne dans une école d'un quartier pauvre, elle fait beaucoup d'efforts pour s'occuper au mieux de ses élèves. Par exemple, elle demande à tout le monde si chacun a pris son petit déjeuner. Et si un élève n'a rien mangé, Sonia lui donne un repas. Elle garde toujours une paire de chaussettes, des vestes, des foulards, des brosses à dents et bien d'autres choses pour pouvoir s'occuper de tout le monde. C'était les 10 enseignants les plus incroyables au monde. Nous sommes très curieux de connaître ton opinion. Alors dis-nous dans les commentaires quel professeur tu aimerais avoir dans ton école. Dis-nous aussi ce que tu penses de la vidéo. Et si tu l'as aimé, on apprécierait que tu likes, que tu t'abonnes et que tu utilises la cloche pour être prévenu quotidiennement de la sortie de notre nouvelle vidéo.